Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un nouveau point lecture. Donc aujourd'hui je viens vous parler de pas mal de livres, ça fait un moment que je dois vous en parler, cette pile grandit de plus en plus donc il est vraiment temps. Aujourd'hui je ne vais pas le faire en mode échelle du glauque, elle reviendra je vous le promets, mais je vais le faire en mode montagne russe. Donc on va commencer par une petite déception, puis on va arriver à une bonne lecture, enfin vous voyez on va faire des montagnes russes quoi clairement. Voilà, il y a un petit peu de tout dans cette vidéo, il y a vraiment des déceptions, clairement, des livres, vraiment des bofs, des livres pour lesquels j'attendais énormément, et pour finir ça a été vraiment des mauvaises lectures. Il y a du bon, et il y a vraiment du très très bon, et je pense que je vais finir avec mon énorme coup de cœur que j'ai vraiment envie de vous montrer. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Mission Ouga de Caroline Franck, publié chez Pocket. Il s'agit d'un roman qu'on va classer dans le genre... Chiclit, voilà, un livre un petit peu détente, vraiment, qui apporte des bons sentiments. Et je l'ai lu vraiment dans ce cadre-là, hein. J'avais vraiment envie d'un truc un peu détente. Ici, nous allons retrouver Chloé, qui est une journaliste de terrain, qui aime bien se retrouver sur des lieux un petit peu sensibles, là où il y a eu des attentats, ou même dans des pays en guerre. Elle aime bien parler de ça au sein de son journal. Elle revient d'une mission assez terrible, et elle est de très mauvaise humeur. Elle va en guirlander un de ses collègues, et son boss en a un petit peu marre, parce qu'elle pique des crises, elle est hyper caractérielle en fait, et donc ils en ont un petit peu marre de l'avoir crisé tout le temps. Et donc son boss, qui est aussi un de ses amis, va l'envoyer au Danemark, dans la ville la plus heureuse au monde. Et donc il va l'envoyer là-bas, et lui, elle se dit mais il se fout de moi, c'est pas possible de m'envoyer là-bas, enfin déjà j'ai autre chose à faire que d'aller au Danemark. Elle va arriver là-bas, et tout de suite, elle va commencer à ressentir les bienfaits de cette ville, le côté très charmant des gens du village, les petits rituels après avoir eu froid pendant la journée, se retrouver au sein d'un cottage bien réconfortant avec des bougies, une hôtesse accueillante, un chocolat chaud, un petit plaid, faire du tricot, tout ce genre de choses qu'elle n'avait pas l'habitude, donc elle va un petit peu découvrir tout ça. Au début elle est très 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 sceptique, et on va voir un petit peu évoluer ses sentiments forcément, enfin j'ai pas l'impression de vous spoiler parce qu'on est vraiment dans un livre où on sait déjà ce qui est écrit à la fin, enfin, on sait, c'est pour ça qu'on lit en principe. Moi j'ai été, oui j'ai ressenti un petit peu de ce côté un peu réconfortant quand je suis arrivée au Danemark, mais j'ai eu beaucoup de mal avec l'héroïne. C'est une héroïne qui m'a énormément agacée parce qu'elle est énormément dans le jugement, donc toujours juger les autres, et c'est quelque chose qui change que très tardivement, et donc on passe beaucoup trop de temps avec une héroïne qui nous agace. Dès les premières pages, elle crache sur les véganes. Il y en a un peu marre de cracher tout le temps sur les véganes et les féministes dans les livres du genre, ça commence à m'agacer un petit peu. Même si c'est sous couvert d'humour, ça commence à m'agacer un petit peu que ce soit toujours les mêmes qui sont pointés du doigt. Et oui, elle est dans le jugement quoi, elle va critiquer la musique du voisin, elle va se dire que sa collègue c'est une cruche parce qu'elle aime tel ou tel truc, et pff, ça m'énerve. Quand je me retrouve dans ce genre de lecture justement, j'ai envie de me retrouver dans la bienveillance. Alors oui, bien sûr, ça peut paraître très cliché que tout le monde soit bienveillant, mais j'aime quand même bien qu'il y ait de la bienveillance, ou alors qu'elle se remette un peu plus vite en question. Et là, comme le livre est très court, bah forcément, on passe beaucoup de temps avec elle, dans sa tête, et donc on sait, je sais même plus si c'est écrit en jeu ou en... Non, c'est à la troisième personne du singulier. Et pourtant, j'ai ressenti toutes les ondes négatives de ce personnage, ce qui ne m'a pas forcément plu. Je trouvais du coup tout vraiment cliché, mais bon, ça c'est un peu... Je m'y attendais un petit peu de retrouver ce genre de cliché, mais c'est vrai que la première personne qu'elle rencontre au Danemark, c'est déjà, waouh, c'est déjà une bombe, enfin vous voyez ce que je veux dire, déjà un grand mec avec des cheveux blonds. Donc voilà, pour moi j'étais un peu, oui j'ai passé un bon moment, mais j'ai quand même passé beaucoup de temps à m'énerver sur cette héroïne, Chloé. Je pense qu'avec une autre héroïne j'aurais pu passer un meilleur moment, peut-être avec une héroïne avec pas mal d'humour, je pense que ça m'aurait plus convenu. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a certaines petites surprises dans ce livre, c'est pas le genre de choses qu'on trouve dans les livres du genre, et c'est vrai qu'il y a des passages qui m'ont surprise, la fin était pas mal du tout. Voilà, donc c'est vraiment mon appréciation personnelle, surtout de ce personnage en fait, qui m'a énormément déplu. Donc faites-vous votre propre avis, j'ai envie de dire. On va passer une meilleure lecture puisque j'ai lu Inhumain, c'est publié chez Air Libre. C'est un livre que j'avais offert à mon compagnon, je pense que vous l'avez vu dans un book haul au mois de décembre, un truc comme ça, j'avais offert à mon compagnon pour Noël. Il l'a lu, il a beaucoup aimé, je l'ai lu, j'ai vraiment passé un bon moment. On va commencer notre histoire dans un vaisseau spatial, on va suivre différents personnages et notamment un robot, une femme robot, je sais pas comment on l'appelle exactement dans le livre.
Mais c'est elle qui va, c'est une intelligence artificielle en fait, c'est une personne qui va les aider en cas de problème. Et heureusement qu'elle est là parce qu'ils vont atterrir sur une planète et dans un océan complètement inconnu. Et ils vont arriver, ils vont être repêchés par des espèces de pieuvres. Et ils vont atterrir sur cette île et ils vont rencontrer des gens qui ont l'air complètement cinglés, complètement siphonnés, des gens qui parlent du grand tout, qu'il faut absolument nourrir le grand tout, et ces gens font des choses vraiment bizarres. La communication est un peu spéciale et on est vraiment sur une histoire assez sombre avec des découvertes. J'ai vraiment passé un chouette moment avec cette lecture, c'est très immersif, les pages sont assez sombres, je trouve qu'il y a quand même une ambiance un petit peu inquiétante qui s'installe dans ce livre, qu'on ressent très fort. Moi j'ai ressenti cette ambiance inquiétante. J'ai flippé par des jeux d'ombre, et quand tu regardes dans l'ombre ce qu'il y a, ça me fait un peu plus flipper quand même, hein. Voilà, les découvertes de nos héros, moi, m'ont bien stressée, hein, il faut le dire. J'aurais pas un coup de cœur pour ce livre parce que je pense que on passe assez vite en fait sur tout ce qui se passe dans ce livre, et donc dès qu'il arrive quelque chose à un personnage, j'ai l'impression que tout le monde s'en fout, et moi aussi en fait, parce que le personnage, j'avais déjà oublié son nom, j'ai l'impression que ses copains là, ils s'en fichent complètement. Oh, il s'est fait mal, bon bah gars, débrouille-toi, enfin, je sais pas, il n'y avait pas beaucoup d'empathie pour les personnages, c'est ce que j'ai regretté. Mais il y a une très chouette morale à la fin. Enfin, une morale, il y a un très chouette message à la fin que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous invite vraiment à le feuilleter en fait en magasin. Vraiment, si vous hésitez avec des livres graphiques, les graphiques, il faut les feuilleter, il ne faut pas les acheter comme ça. Ça m'est déjà arrivé moi d'acheter sur internet des livres, des graphiques et puis de me rendre compte que je détestais le dessin ou de pas du tout accrocher. Donc je vous conseille vraiment de feuilleter s'il y a moyen. On va passer au livre suivant qui est On achève bien les chevaux de Horace McCoy, que je viens de terminer. Je crois que c'était ma dernière lecture. On est dans les années 30, en tout cas le livre a été écrit dans les années 35, donc j'imagine que ça se passe à ce moment-là. On va rencontrer notre héros dont j'ai oublié le nom. D'ailleurs, on l'apprend que tardivement son prénom et j'ai oublié. C'est un personnage masculin qui va rencontrer Gloria dans la rue et tous les deux ont comme point commun qu'ils veulent travailler dans le cinéma. Et Gloria, c'est un petit peu une âme en peine qui n'est pas très heureuse dans la vie. Et ils vont décider tous les deux de s'inscrire à un marathon de danse. Donc il y a un marathon qui est organisé où ils doivent danser tout le temps. Je crois que c'est un certain nombre d'heures, ça se compte en milliers d'heures en fait. Je ne sais plus exactement. Et ces deux personnages vont s'inscrire à ce marathon. Ils vont rencontrer d'autres personnages, ils vont discuter. Enfin voilà, ça se passe dans les années 30. Hein, donc c'est vraiment très vieillot, enfin voilà, c'est assez sympa, on imagine les costumes, etc. Et le livre est scindé en petits chapitres qui vont nous dévoiler un jugement. Un jugement, le jugement de notre héros, donc accusé, levez-vous. Puis on a le premier chapitre, ensuite on a l'introduction qui est « Y a-t-il une raison légale qui puisse s'opposer à ce que la sentence soit rendue maintenant par le tribunal ?» Deuxième chapitre, aucune raison légale ne s'opposant à ce que le verdict soit prononcé. Enfin, voilà, c'est tout le verdict, en fait, de l'accusation de notre héros. Et c'est assez original, justement, comme mise en page. Je trouve ça vraiment original parce qu'on a notre histoire et à chaque fois, on a vraiment le verdict du jugement du gars. C'est intéressant, donc on sait qu'il va forcément se passer quelque chose avec ce marathon de danse, donc on essaie de deviner un petit peu ce qui risque de se passer. Je pense pas que c'est très grave si on devine ce qui se passe sur la fin. Moi, j'ai pas passé un moment extraordinaire parce que je sais pas à quoi je m'attendais, mais je m'attendais pas à ça, en fait. Déjà, il est marqué folio policier. Donc moi, je m'attendais, dans un roman policier, on a quand même une enquête policière, on a quand même un suivi au niveau d'une enquête, et on a aucune enquête policière. Donc je comprends pas trop pourquoi c'est policier, à part peut-être le fait qu'il y a quelqu'un qui meurt, voilà, qui a un peu de violence, mais sinon, je comprends pas trop ce que ça fait en policier. Du coup, moi, j'avais une attente particulière du fait que c'est classé en policier. J'avais besoin, d'une petite intrigue, d'un petit truc qui allait me stresser, peut-être. Alors, c'est pas suspense non plus, mais qui allait me surprendre, d'avoir des petites révélations, d'avoir un enquêteur, d'avoir quelque chose, suivre une enquête, quoi, un roman policier. Je me suis pas retrouvée là-dedans, déjà, j'étais un petit peu déçue. Et surtout, moi, j'ai trouvé qu'on allait très très vite dans cette histoire. J'étais un petit peu déçue. Bah oui, je l'ai choisi parce que c'était un petit livre. Et en fait, c'est ça qui a péché, c'est que je me suis absolument pas attachée au personnage. Et du coup, je n'ai vraiment pas ressenti tout ce que je devais ressentir. Ça dénonce certaines choses, hein, c'est clair. Ça parle vraiment une photographie d'une époque, de ce qui se passe, les préoccupations de personnes de cette époque. On rencontre différents profils de personnages, donc des personnages assez pauvres, des personnages plus riches. Enfin voilà, on rencontre
différents profils de personnages. Et donc, oui, ça dépeint une époque, mais moi, j'ai pas franchement été emballée par cette lecture parce que, comme je vous l'ai dit, je m'attendais à une histoire policière et ce qui se passe à la fin, je m'attendais, j'aurais pu être tellement touchée, tellement émue si j'avais été attachée au personnage, mais là, pas du tout, quoi. Voilà. C'est dommage, hein, je suis un peu déçue parce que c'est un classique. Si ça n'avait pas été classique en policier, peut-être que je l'aurais plus apprécié. Vous allez me dire, mais je passe à côté de quelque chose, j'ai rien compris, c'est possible. Hein. C'est très très possible. Ensuite, j'ai lu Le meurtre de Roger Ackroyd de Agatha Christie dans cette chouette édition. Ça faisait longtemps que j'avais plus lu de Agatha Christie et je me suis trouvée vraiment bien dans cette lecture. C'était vraiment super agréable. J'avais oublié à quel point l'enquête dans Agatha Christie, dans les Hercule Poirot, était complète. Justement, ce que je recherchais dans l'autre livre, moi, je l'ai trouvé ici, même si je l'ai lu avant. Donc oui, on a vraiment cette enquête très complète. On interroge chaque personne, on est témoin de tous les interrogatoires. Je trouve ça très sympa, même si c'est vrai que du coup tu t'attaches pas forcément au personnage, t'es tout le temps dans la suspicion sur chaque personnage que tu rencontres, mais j'aime bien, il y a un côté un petit peu réconfortant je trouve de me retrouver dans des Agatha Christie. Ici on va suivre un héros masculin qui est le médecin du village et il va rendre visite à Roger Ackroyd et ce soir là d'autres gens sont invités. Donc il passe la soirée avec tous ces gens et son ami Roger Ackroyd avec qui il va avoir une entrevue dans son bureau, ils vont discuter tous les deux, puis il va rentrer chez lui et on va l'appeler un petit peu plus tard pour lui dire qu'en fait Roger Ackroyd est mort et donc il vient, il arrive pour voir, bah oui en effet il remarque qu'il est mort et il se dit que bah voilà il a été assassiné puisqu'il a un poignard dans le dos. Et il y a notre ami Hercule Poirot qui va emménager juste à côté de la maison de notre ami le médecin. Et donc, il se demande qui c'est ce gars bizarre, avec un accent bizarre, qui s'appelle Poirot. Voilà, il se pose des questions et puis il découvre que c'est Hercule Poirot. Et bah, du coup, il va y avoir l'enquête, ils vont parler tous les deux. Bon, voilà, c'est très chouette. On a la sœur de notre héros qui est une femme hyper curieuse, un gros cliché en fait de femme qui vient se mêler de ce qui ne la regarde absolument pas, c'est vraiment un gros cliché. Bien sûr du coup on a tous les clichés, les femmes en fait sont soit un petit peu des cruches, ou alors c'est ce genre de femme, un petit peu de femme hyper curieuse, ou alors, enfin, voilà, il y a quand même un cliché avec les personnages féminins ici, mais ça m'a pas tant dérangé que ça, je savais dans quoi je mettais les pieds, enfin je veux dire, l'époque à laquelle ça a été écrit, donc ça m'a pas tant dérangé que ça, mais de temps en temps je rinçais des dents, je dis, bon gars, t'es pas très sympa avec cette madame. Et oui, donc, oui, j'ai passé un bon moment. On s'attache pas forcément au personnage, on suit l'enquête. Est-ce que j'avais deviné? Oui, j'ai eu des soupçons. Mais j'ai trouvé que Agatha Christie avait fait quelque chose de vraiment très malin. Elle avait choisi une enquête vraiment très intelligente, assez, je trouve, originale. Alors que le nombre de romans policiers et de thrillers que j'ai lus, vraiment, j'ai bien apprécié ça. Franchement, je me dis, ah ouais, quand même, Agatha Christie, chapeau, quoi, elle a bien fait ça. Voilà, elle a fait une chouette petite enquête, bien ficelée, avec un rythme... voilà, ça se lit vite, hein, ça se dévore quand même, Agatha Christie. Il y a des petits trucs de traduction de temps en temps, des mots qui sont parfois... Il y a des phrases, tout à coup, je savais plus qui parlait, c'était un peu perturbant. Voilà, c'est pas la meilleure traduction, je pense, au monde, mais sinon, j'ai passé un bon moment. Ensuite, on va parler d'Au grand lavoir de Sophie Dole, qui est un livre que j'avais envie d'avoir depuis super longtemps. Quand il était sorti en grand format, je crois que j'avais entendu une interview de l'autrice. Je crois que c'était à la Grande Librairie, ils en avaient parlé, ça m'avait donné super envie. Et pour finir, je l'ai vu, j'ai tellement attendu qu'il est sorti en poche, je l'ai acheté et je l'ai lu assez vite. C'est aussi un tout petit roman. C'est un livre qui va nous parler d'un homme qui a purgé une peine de prison puisqu'il a assassiné et violé une femme il y a des années. Il a purgé sa peine après, je pense, une trentaine d'années. En prison, il a rencontré notamment un gars dont il est tombé amoureux. On va suivre un petit peu son quotidien. On sait qu'il va emménager dans la ville de Nogent-le-Rotrou et qu'il va... c'est ça, hein, le Rotrou? Oui, c'est ça. Et qu'il va devenir une sorte de jardinier. Je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais il travaille en tout cas dans tout ce qui est jardinage. Et il va découvrir que dans cette petite ville de Nogent-le-Rotrou, je ne sais pas pourquoi je le redis, il y a une écrivaine qui va arriver pour faire une dédicace et il se rend compte en la regardant à la télé que cette écrivaine c'est la fille de la femme qu'il a assassinée. Et cette écrivaine, elle a donc écrit un roman
qui, il me semble, parle de sa propre vie et elle va parler du deuil de sa mère, mais aussi du deuil de sa fille, puisque cette femme a perdu un enfant qui était très malade. Et donc, on se doute, enfin, ce qu'on attend avec ce roman, c'est la confrontation. Moi, c'est ce que j'attendais en lisant ce roman, c'est la confrontation entre les deux personnages, ce personnage masculin qui a tué quelqu'un, qui a violé une femme, qui l'a tuée, et qui va rencontrer sa fille. Enfin, il y a un truc hyper malaisant quand même dans cette histoire. Les chapitres sont alternés, donc on a d'abord le tueur qui écrit avec des caractères machine à écrire, et puis on a notre héroïne qui est l'écrivaine, et parfois il y a quelque chose un peu perturbant parce que quand on termine le chapitre avec notre héros, je vais lui donner un nom quand même, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Roger ? Allez, on va l'appeler Roger. Quand Roger a fini d'écrire, la dernière phrase qu'il dit, eh bien souvent, le chapitre d'après, qui est du point de vue de la dame, elle reprend les phrases ou les mots qu'il utilise et du coup il y a quelque chose de très perturbant. Je me demande, à tout moment je me suis demandé si c'était pas le roman que j'étais en train de lire, le roman de la femme que j'étais en train de lire ou les vraies pensées du gars. Donc je trouvais ça un petit peu perturbant. J'ai trouvé le style assez particulier, agréable à lire, c'était original, j'ai mis un petit temps avant de m'adapter à ce style mais j'ai vraiment bien apprécié. Moi ce sera pas, voilà, ce sera pas une excellente lecture, j'ai eu un petit peu une déception avec ce roman. Parce que l'autrice m'a perdue à certains moments où elle prend beaucoup de temps pour parler de choses qui ne m'intéressaient absolument pas. La seule chose qui m'intéressait dans ce roman, c'était la rencontre entre ces deux personnages. Et elle prenait beaucoup de temps à nous parler de ses activités de jardinage qui ne m'intéressaient absolument pas. Pourtant, je suis passionnée de plantes. Regardez-la, enfin, je veux dire, je parle de plantes sur la chaîne, mais là, vraiment, je voulais qu'on parle de cette tension qu'il y a entre ces personnages. Je voulais vraiment qu'on parle de ça, et du coup, elle m'a un petit peu perdue. Voilà, je trouve que c'est très, on est d'un côté de l'autre et j'attendais quoi, moi j'attendais quelque chose, j'étais vraiment dans l'attente. La fin est vraiment très bien par contre, si j'étais déçue par la plupart du roman, j'ai vraiment bien apprécié la fin, surtout qu'elle est écrite à la troisième personne du singulier avec un narrateur omniscient qui fait qu'on a un autre point de vue, on voit ça de l'extérieur et oui vraiment j'ai beaucoup aimé cette fin. J'ai regretté, malgré le fait que je vous dis qu'elle passe beaucoup de temps à parler de ses plantes, en fait, si le livre avait fait 100 pages de plus, peut-être que je me serais plus attachée au personnage et que du coup, ça m'aurait moins dérangé 5 pages sur le jardinage. Vous voyez, ici, en 150 pages, ben 5 pages, c'est un peu... C'est bon, là, on a compris. Voilà, donc c'est une lecture un petit peu en demi-teinte parce que j'étais très frustrée en lisant. Je voulais tout le temps autre chose. C'est plutôt une lecture... assez psychologique et je pense qu'il y avait quand même pas mal de métaphores avec ce jardinage. Moi, j'avais pas envie de voir des métaphores, je voulais la rencontre quoi. Laissez-moi tranquille, donnez-moi ma rencontre. Voilà, je crois que c'est pour ça que j'étais un petit peu déçue par cette lecture, mais sinon, je crois que c'est vraiment un bon livre que je vous conseille, mais c'est moi qui ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur, j'ai l'impression. Ensuite, j'ai lu Lucien et les mystérieux phénomènes, l'empreinte de H. Price. C'est un livre qui est publié chez Casterman que j'ai reçu il y a tellement longtemps, je n'ai plus le truc de presse, mais il y a vraiment le temps. Ici, on va parler d'une petite famille qui va déménager dans une ville et notre héros Lucien, il est un petit peu bougon, il tire un peu la tête d'arriver dans une nouvelle ville. La seule chose qui l'intéresse, ce sont les fantômes. Il est vraiment passionné de fantômes et ça tombe bien, le titre c'est Les mystérieux phénomènes, donc on se doute bien que passionné de fantômes, il va en rencontrer. Lucien, il va apprendre que dans cette ville, il y a une maison dont on a très peur, il faut absolument pas rentrer dans cette maison parce qu'il y a des phénomènes un petit peu étranges. Et bah forcément Lucien, on lui dit de pas rentrer, il rentre. C'est une lecture que j'ai bien appréciée, j'ai passé un chouette moment, je trouvais qu'il y avait des messages assez intéressants autour de l'écologie, je m'attendais pas du tout à me retrouver dans ce genre de messages. J'ai bien aimé, voilà, j'ai passé un bon moment pour un petit livre jeunesse comme ça. J'ai particulièrement aimé les couleurs utilisées puisqu'on est vraiment dans le orange-marron qui est vraiment, qui sont vraiment des couleurs que j'adore. Hein. Voilà, vous les retrouvez beaucoup sur mon compte Instagram et vraiment j'ai passé un chouette moment.
Et je lirai la suite avec grand plaisir. Honnêtement, c'est vraiment un livre qui peut plaire pour les plus jeunes. Hein. C'est vraiment un livre vraiment jeunesse. Si vous aimez pas les livres jeunesse, je pense pas que ça va vous convenir parce que le héros, Lucien, ben, c'est un gosse, quoi. Vraiment, il est petit. Voilà. Mais c'est assez intéressant de par les messages qu'ils vont aborder. Et à la fin, il y a un petit dossier avec des exercices, des petites choses pratiques à faire, des idées créatives pour s'amuser et se passer d'acheter. Donc vraiment en mode zéro déchet. Je m'attendais pas du tout à me retrouver dans ce genre de message. Donc pourquoi pas, c'est vraiment original pour le coup. Les trois dernières lectures, il y a un graphique, une bonne déception et un énorme coup de cœur. On va vite passer à ça. Le graphique, c'est Tomino la Maudite. Il s'agit d'un livre publié chez Casterman. On va parler de deux jumeaux dans les années 30 à Tokyo qui sont abandonnés par leur mère. La mère les dépose chez son frère et son frère va les refourguer dans un cirque un peu particulier. Un cirque qui va présenter tous des personnages qui ont des différences et donc qui vont attirer pas mal de gens qui aiment bien se moquer de la différence. On adore ça. Vous voyez, genre les freaks, je pense qu'il y a eu un film sur les freaks notamment, on a des personnes différentes de la plupart des gens et donc forcément ce cirque s'en prend plein les poches sur leurs différences et ces jumeaux vont être donc utilisés hein, dans ce cirque. C'est une histoire assez malsaine, assez glauque dans laquelle je me suis retrouvée à plusieurs moments perdue. Je ne savais pas si on était au présent ou au passé, donc moi j'ai un problème avec les mangas, ça m'arrive souvent, donc c'est peut-être pas les livres, c'est peut-être moi. C'est vrai que c'est pas la première fois, je me retrouve un peu perdue dans la narration, il y a des petits passages, je sais pas si on est au présent ou au passé, donc il faut toujours que je m'adapte vraiment aux personnages qu'on nous présente. Moi j'ai vraiment bien aimé, c'est juste que je suis pas certaine d'avoir tout bien compris, la vie est vraiment pas intelligente. Voilà, mais par contre si je lis la suite je pense que je relirai celui-là pour être sûre de bien comprendre, j'ai vraiment envie de bien saisir les trucs parce qu'en fait on est vraiment sur une histoire très originale, un univers vraiment original, vraiment intéressant et bien glauque. Par contre je vous conseille pas de mettre ça en toutes les mains parce qu'on a vraiment des scènes bien glauques. On a une histoire avec une boîte, enfin un truc dégueulasse qu'on découvre dans le livre. Voilà, c'est glauque quoi, c'est un truc un peu poisseux comme ça, mais j'ai bien aimé découvrir ces personnages, moi je me suis bien retrouvée dans cette histoire, j'ai lu ça dans le bus pour aller travailler, j'étais comme ça, ne regardez pas ce que je lis, il y a un monsieur tout nu, il ne faut pas regarder, laissez-moi lire s'il vous plaît. C'est assez spécial, franchement j'ai passé un bon moment, c'était particulier comme lecture. Ensuite, il faut que je vous parle de ce livre parce que il est temps quand même que je vous parle du dernier Michel Bussy que j'ai acheté, influencé par Séverine. Dis-le bien ce livre, j'avais envie d'acheter ce livre. Enfin franchement, j'aurais jamais acheté ce livre si Séverine n'en avait pas parlé, honnêtement. Mouton pour toujours, hein, je pense. Et là, vraiment, la chronique de Séverine m'avait donné vraiment envie. Elle avait d'ailleurs dit « J'offre un chocobon à qui trouve la fin ». Un boulet chocobon. Mais par contre je mange pas de chocobon hein. Du coup c'est un peu pour rire hein. Saf, tu dois pas m'envoyer chocobon puisque je n'en mange pas. Donc, rien ne t'efface de Michel Bussy, de quoi ça nous parle? Ça nous parle d'une jeune femme, une jeune maman qui est sur la plage avec son petit garçon, qui fait sa petite routine du matin avant d'aller bosser, donc ils papotent ensemble, ils sont sur la plage, le petit garçon a envie d'aller nager, elle refuse qu'il aille nager. Elle l'envoie chercher du pain et elle se rend compte qu'en fait il n'est pas rentré à la maison, donc il a disparu. Elle le cherche, elle se demande, enfin les flics l'interrogent, lui demandent mais est-ce qu'il n'a pas désobéi, il n'a pas été nager en fait. Elle a dit bah non, mon fils ne ment jamais, enfin voilà, c'était le jour de son anniversaire, il n'allait pas désobéir, tout ça. Voilà, il y a la police qui est un petit peu suspicieuse, elle se dit bon, il a fait une fugue ce gosse quoi, c'est pas possible, ou il s'est noyé surtout en fait, il a désobéi. Elle maintient mordicus que non, il n'a pas désobéi, il n'a pas été se baigner. Et donc elle dit qu'il a été kidnappé quoi, enfin elle a vraiment l'impression qu'il a été kidnappé. Le livre s'arrête là, enfin la première histoire s'arrête là et puis on va passer à plus tard. 10 ans plus tard, c'est l'anniversaire de son fils, elle ne l'a toujours pas retrouvé, elle ne l'a pas retrouvé tout simplement. Elle est avec son compagnon, elle est revenue à Saint-Jean-de-Luz alors qu'elle habite ailleurs, elle a déménagé, elle est revenue à Saint-Jean-de-Luz pour l'anniversaire de son fils qui a disparu. Et sur la plage, qu'est-ce qu'elle va voir? Elle va voir un petit garçon qui ressemble très très fort à son fils alors qu'il avait 10 ans. Il a le même short que son fils, c'est vraiment étrange. Elle se rapproche de ce petit garçon, elle le voit, elle se dit mais c'est pas possible, c'est mon fils, c'est Esteban. Mais c'est pas possible puisque
que Esteban, s'il était encore en vie, devrait avoir 20 ans et pas 10. Et donc elle va avoir vraiment une fascination pour ce petit garçon et elle va le suivre. Elle va prendre la carte d'identité de la mère et elle va déménager, elle va vivre dans la ville où vit ce petit garçon. Hyper glauque, quoi, vraiment. Son copain va la suivre aveuglément. Elle va prévenir son psy, qui la suit depuis des années. On voit qu'il y a un petit truc entre eux, là. Lui, il dit, il a pas envie qu'elle parte, forcément. Et donc, elle arrive dans cette ville, elle devient le médecin du village, elle va avoir une confrontation avec l'enfant, etc. Et je vous laisse vraiment découvrir, j'ai déjà dit pas mal, quand même, j'ai l'impression. Alors, on est dans un livre qui, moi, m'aura fait passer un chouette dimanche, hein, faut être honnête. J'ai passé un chouette dimanche avec cette lecture. Je lis rarement le week-end parce qu'en général, je prends le temps pour faire des trucs que j'ai pas le temps de faire. Mais là, vraiment, j'étais dans le livre et donc je l'ai déglingué, le livre. Vraiment, je l'ai lu quand même assez vite. Donc, gros point positif, c'est un livre qui se dévore. Ceci dit, moi, pour moi, ce sera, je pense, vraiment une déception parce que ce livre... Certes, il se dévore, il y a des révélations intéressantes, mais qu'est-ce que c'est extravagant ? Tout ce qui se passe dans ce livre, en fait, on ne croit en rien de ce qu'on lit. Moi, je n'ai cru en rien de ce que je lisais. Je me suis retrouvée dans aucun sentiment connu. Je me suis retrouvée vraiment face à des personnages qui vivent des choses. Et donc, j'avais aucune empathie pour eux. Et moi, j'aime énormément retrouver dans un livre, dans un thriller qui plus est, un policier... J'aime avoir de l'empathie pour les personnages, c'est pas toujours indispensable, mais j'aime en avoir quand c'est ce genre de livre où on va parler de famille, de disparition d'enfants, où on va parler de sujets, où elle va parler à son psy, j'ai envie d'avoir énormément d'empathie, et j'en avais aucune. Il y a des scènes, dès le début, dans le bureau du psy, des choses qui se disent, tu te dis, mais qui dit ça ? Vraiment ? Il y a plusieurs scènes comme ça, et même avec les flics, la scène du début était pas mal, ceci dit, la scène avec les flics qui la croient pas, tout ça, ça c'était pas mal, mais il y a certaines scènes, pas que la scène avec le psy, hein, mais d'autres scènes, je me suis dit, mais qui dit ça ? Enfin, c'est pas du tout crédible comme ça, j'avais vraiment l'impression de voir un film plutôt que de vivre une vraie histoire. Et moi, ce qui m'a aussi dérangée, c'était le style. C'est pas mal écrit, hein, je veux pas dire que c'est mal écrit, c'est juste que c'est tellement simple... que moi, ça ne me suffit pas. J'aime bien lire un livre facile à lire. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je l'ai lu à ce moment-là. J'avais besoin de quelque chose qui se dévore. Oui, je l'ai dévoré. Quelque chose de simple. Mais là, c'était trop simple pour moi. À certains moments, je me suis demandé pourquoi c'était écrit si simplement. J'avais pas l'impression que Nymphée à Noir était écrit comme ça. Nymphée à Noir, c'est un de mes livres préférés. Et je pense pas que je l'aurais adoré s'il avait été écrit aussi simplement. Est-ce que c'est une manière de rendre ça encore plus fluide, d'atteindre un plus grand public peut-être ? Mais même, enfin, je veux dire, tu peux écrire un peu plus fouillé au niveau de l'écriture et tout le monde comprend, enfin, je veux dire. Mais là, c'est vraiment très très simple. J'avais l'impression de lire un livre jeunesse au niveau du style. Et même des livres jeunesse, parfois, je trouve qu'ils sont plus riches au niveau de l'écriture. Voilà. Donc j'ai l'impression, j'étais très surprise parce que Nymphée à Noir, j'avais pas du tout cette sensation-là. Ou alors j'ai oublié, mais je me souvenais que Nymphée à Noir, c'était vraiment bien, c'était... je sais pas, moi j'ai vraiment une sensation de déception. J'ai deviné un gros truc, mais honnêtement, c'est simplement parce que je réfléchis trop. Je suis pas un génie, hein, je le redis encore une fois, je ne me lance pas des fleurs en disant que je suis super intelligente d'avoir deviné. Non, c'est simplement, je vous l'ai dit plein de fois, j'arrive pas à me mettre dans un état d'esprit où je ne réfléchis pas quand je lis du thriller ou policier. Quand je lis d'autres genres de livres, je pense que oui, mais vraiment ce genre-là, je n'arrive pas à ne pas réfléchir. Il faut toujours que je cherche le moindre petit détail. C'est ce qui m'a dérangé, enfin c'est ce qui m'a posé des problèmes avec des livres. T'es là, oui bon, j'ai envie de deviner, quoi, laissez-moi, mon cerveau, stop. Et donc j'arrête pas de réfléchir. Le moindre petit chose qui me chipote, eh bien je vais prendre ça pour une révélation. Et la plupart du temps, bah c'est le cas en fait. Parce que forcément, je réfléchis trop et je suis pas la seule. Je pense que Laura, si tu passes par là, tu sauras que on est pareil. Pour le coup, pour ce livre, on a deviné la même chose. Et je pense que c'est vraiment en faisant attention à des petits détails. Enfin, c'est chiant, quoi. Ça, pour le coup, c'est pas la faute de Michel Bussier, c'est ma faute. J'en ai un peu marre de ça. J'ai envie d'être surprise en lisant des livres, quoi. C'est pour ça, peut-être, que quand je lis d'autres romans qui ne sont pas des thrillers, j'arrive à être surprise parce que je me mets pas dans cet état d'esprit. Je crois que c'est ça aussi.
Mais oui, donc pour cette lecture, déception, surtout qu'à la fin, mais oui, la révélation que j'ai devinée, ben voilà, il y en a d'autres que je n'ai pas forcément devinées, pour le coup c'est cool, mais j'ai l'impression qu'il y avait une surenchère pour un petit peu épater, et moi ça m'a dérangée, j'avais envie de retrouver de la sincérité dans les sentiments du personnage principal, et j'ai pas ressenti ça, j'étais vraiment déçue, donc voilà, voilà, ça c'est mon avis, mais... Si vous voulez un livre, honnêtement, voilà, il y en a plein qui m'ont dit, ah bah oui, mais je veux pas le lire, mais ça dépend ce que vous cherchez en fait. Si vous voulez un livre qui se dévore, où vous êtes surpris, où vous pouvez pas lâcher, mais oui, je peux vous le conseiller, clairement, il y a aucun souci. Moi, je vous dis ce qui me dérange moi et ce que je recherche dans un livre, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas l'aimer. Voilà, vous avez mon avis, mais ça n'engage que moi, comme d'habitude. Je vois, je parle super vite, je suis vraiment désolée. C'est parce que j'ai presque plus de temps sur ma carte. Et donc, bah forcément, tout sort un peu plus vite. On va parler d'un gros coup de cœur que j'ai eu dernièrement. Un coup de cœur que je n'attendais pas forcément. On va parler d'Un monde après l'autre de Jodie Taylor. C'est Les Chroniques de Sainte-Marie, c'est le tome 1. Ici, nous sommes avec un personnage féminin, Madeleine Maxwell, qui a une trentaine d'années, qui a fait des études d'histoire et qui va se retrouver dans une sorte d'académie dans laquelle elle va pouvoir travailler en tant qu'historienne. Elle est particulière cette académie puisqu'elle permet de voyager dans le temps et donc de découvrir des petits détails du passé qu'on aurait besoin de savoir pour un tournage de film, pour ne fût-ce que pour la curiosité de l'homme. Donc elle va par exemple se retrouver dans le passé, je pense dans les années 40, quelque chose comme ça. Elle va se retrouver juste avant un incendie. Elle va devoir découvrir qu'est-ce qui s'est passé vraiment, qui a provoqué cet incendie. Et donc toutes des petites choses comme ça. Des voyages dans le temps, elle peut aller n'importe quoi en fait, vraiment dans le passé. Et c'est un livre que j'ai adoré, mais vraiment, c'était vraiment une petite pépite cette lecture. Alors déjà, première chose que j'ai aimée, c'est le rythme de cette lecture et la temporalité, la narration très particulière, puisqu'on va faire pas mal de bonds dans le temps. Ce ne sont pas des bonds passé, présent, c'est vraiment tout d'un coup, il y a 2 minutes qui passent entre 2 paragraphes et tout d'un coup, il y a 2 mois qui sont passés. Donc c'est très particulier et moi je trouve que ça donnait une vraie dynamique au récit. Je trouve que c'était très pétillant. Du coup, je m'ennuyais pas une seule seconde parce que je savais pas quand j'allais me retrouver le chapitre suivant quoi. Ah oui, d'accord, il y a une semaine qui est passée, elle a fait ça, enfin, il y a plein de choses qui se sont passées. Et en fait, oui, ça rentre dans la logique d'une chronique, ce sont des chroniques de Sainte-Marie, donc à mon avis, elle écrit, et elle va pas écrire tous les jours, quoi, elle va pas raconter tout ce qu'elle mange, enfin, vous voyez, il y a des trucs qu'elle raconte pas. Et j'ai trouvé ça très logique, en fait, dans le cadre d'une chronique. Et j'ai aimé ça, c'était très spontané, très, très particulier, et je sais que ça a dérangé pas mal de gens, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai apprécié au niveau de la narration. Que ça saute un peu dans le temps. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé, c'est l'humour. On a quelque chose de très british. Moi, je suis voilà, passionnée de l'Angleterre, donc forcément, tout ce qui est un peu british, et là, l'humour, vraiment, de temps en temps, je sais pas, du second degré, tellement british que j'aimais beaucoup, je peux pas vous l'illustrer, il faut vraiment le découvrir. C'est une traduction, hein, et mais la traduction, je trouvais bien faite pour le coup. Pour ce genre de choses, bon parfois il y a des trucs un peu maladroits. Je trouvais vraiment que cet humour était agréable. Il y a des passages super drôles. Enfin moi j'ai passé un super moment. Je sais que ça ferait peut-être pas rire tout le monde, mais moi j'ai passé un super moment. Troisième chose, le personnage principal que j'ai beaucoup aimé. Alors tous les personnages ne sont pas forcément bien développé, voilà, ce livre n'est pas parfait, hein. D'ailleurs j'ai fait une publication sur Instagram où je disais est-ce qu'un livre doit être parfait pour être un coup de cœur? Non, il n'est pas parfait, il a des petits défauts, mais je trouve qu'il y a pas mal de ces petits défauts qui m'ont moi vraiment charmée en fait, qui ont rendu cette lecture encore plus originale. Donc je vous disais les personnages, le personnage principal, moi je me suis bien attachée, il lui arrive des trucs pas cool, vraiment, il y a des trucs dans le livre... Waouh, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Si vous êtes ultra sensible, je pense que ce livre vous conviendra pas en fait. Il y a certains passages assez terribles, je trouve. Et à notre héroïne, je me suis beaucoup attachée. Les personnages secondaires, par contre, pas du tout. Ça m'a pas dérangé plus que ça, mais c'est vrai que je me suis un petit peu perdue avec les personnages secondaires. On avait un glossaire avec l'explication de pas mal de personnages, mais j'avais la flemme d'à chaque fois regarder. Enfin, de temps en temps, j'ai regardé, mais c'est vrai que les personnages, on passe vite dessus. Et oui, c'est vrai que. Il manquait peut-être, si je dois trouver un défaut, il manquait un peu de substance à certains personnages. Le docteur, il y a le héros masculin en fait. Léon Farrell, je crois, c'est ça? Non, je sais plus. Enfin, il y a un personnage masculin quand même assez important
que je savais même pas qui c'était dès qu'on disait son nom, c'est qui celui-là? Enfin, il fallait du temps pour que je comprenne qui est qui. Il y a un passage avec un personnage masculin qui m'a assez choquée, je trouve. Je m'y attendais pas du tout dans ce style de livre. Je sais que certaines personnes ont regretté qu'on ne passe pas plus de temps dans l'époque dans laquelle on est. Il y a quelques voyages dans le temps dans le récit, et il y a des gens qui ont regretté qu'on passe pas plus de temps. Mais moi, je trouve que c'était parfait. Parce que on revient dans le présent, on passe à autre chose, et j'ai bien aimé, enfin vraiment la dynamique de ce récit m'a beaucoup plu. Tous ces petits défauts, de temps en temps même quelques coquilles comme ça, bah j'ai tout trouvé charmant. Et je vous avais dit sur Instagram, j'avais l'impression de me retrouver les premiers mois d'une relation amoureuse où on est super amoureux, on trouve chaque défaut charmant, même si c'est vrai que mon compagnon, ce défaut, je le trouve toujours charmant. Enfin bref, bah, c'est comme une histoire d'amour, j'ai l'impression. C'est que je vois qu'il y a des défauts dans ce roman, mais il n'y a rien à faire, je les trouve charmants. C'est excusé parce que ouais, je suis charmée quoi par cette lecture. Peut-être que dans le tome 3 ou dans le tome 4, je serai un petit peu agacée, et on sera un petit peu lassé, le livre et moi, et on va peut-être rompre, qui sait. Mais en tout cas, moi je suis bien, et peut-être que la suite va me plaire tout autant. Donc oui, moi j'ai vraiment adoré cette lecture, je peux vraiment vous la conseiller. Je vous dis quand même qu'il y a quelques passages, moi je m'attendais pas du tout, certains passages assez terribles, je trouve. Je peux pas vous dire, hein, mais ouais, certains passages, je m'attendais pas du tout. Moi je veux la suite. Et d'ailleurs, j'ai acheté la suite, hein, forcément. Pourquoi? Parce que dans le résumé, on sait qu'ils vont du temps de Jack l'Éventreur. Et moi, c'est bon. C'est bon. Jack l'Éventreur. Tu m'as eu un Jack l'Éventreur. Même si elle passe que 5 pages, un Jack l'Éventreur, je l'aurais acheté. Donc oui, c'est vraiment une lecture surprenante. Je ne m'attendais pas à retrouver ça dans ce récit. Eh bien, voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire, vous, vos dernières lectures, vos meilleures dernières lectures et vos pires dernières lectures. Et bon, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!